Alors que la famille séjournait à la montagne, un feu se déclare dans le chalet dans lequel se trouve Carole. Pense à t'abonner et activer la cloche. Carole Compton, écossaise âgée de 20 ans, est accusée de sorcellerie. Elle déclencherait des feux à distance. Alors qu'elle était jeune fille au père chez les Rixi à Rome, des phénomènes inexpliqués commencent, meubles qui bougent, objets qui tombent. Alors que la famille séjournait à la montagne, un feu se déclare dans le chalet dans lequel se trouve Carole. Cette dernière est aussitôt congédiée. Été 1982, la famille Tonti, qui vit sur l'île d'Elbe, fait appel au service de Carole Compton. Le phénomène se reproduit, des objets volent, un matelas s'enflamme et la poussette du bébé de 3 ans prend feu. La police arrête Carole qui séjournera 16 mois en prison en attendant son procès. Pas jugée des faits reposant sur le paranormal, la fille sera entendue pour tentative de meurtre, manque de preuves, elle fut déclarée non coupable, incendie criminel et tentative d'incendie, déclarée coupable. Donc tu peux t'abonner en cliquant sur le rond et tu peux aussi regarder les vidéos qui seront affichées. Merci à toi.